Rien à signaler, noble dame. Bien sûr, la théorie de Durant sur les pratiques du dragon Sire est absurde. Mais... Oh. Oui ? Puis-je vous aider ? Une plume rectrice et des intestins, comme demandé. Camarade, vous êtes formidable. Je ne manquerai pas de faire mention de votre aide dans ma monographie sur le dragon Sire. Je tenterai de l'attirer dès que j'aurai terminé mes recherches préliminaires. La moindre erreur pourrait être fatale. Les anciens Tevintid avaient conduit de nombreuses études sur les dragons. Je crois savoir qu'ils avaient un laboratoire dans ce désert. Seulement leur travail n'avait pas été perdu. Les Anclins ont renvoyé la draconologie des siècles en arrière. C'est déplorable. Toute votre équipe a disparu et la région grouille d'écumeurs. Vous ne devriez peut-être pas rester seul. J'ignore ce qu'il est arrivé au reste de l'expédition, mais je n'ai pas vu l'ombre d'un écumeur ici. J'ai vu aussi des gardes des ombres et des gens affublés d'étranges tenues noires, mais ils ignorent complètement ma présence. Vous êtes un érudit. Que pouvez-vous me dire sur cette région ? La Porte du Ponant est un endroit remarquable, comme vous devez le savoir. Nombre de créatures majestueuses y vivent. Varghest, dragons, phénix. Ils prospèrent là où les autres se meurent, la terre ayant été empoisonnée durant le second enclin. La forteresse de la garde n'a pas bougé depuis. Avant l'enclin, la Tevinter antique régnait sur la région. À ce propos, j'ai aperçu des Tevintid il y a peu. Peut-être venu étudier les ruines ? Parlez-moi de vous. Je suis professeur à l'université d'Orlaïs. J'ai consacré ma vie à l'écriture d'une monographie définitive sur les pratiques de chasse des dragons et draconides. À lui seul, ce voyage m'a permis de remplir 20 parchemins de notes sur le Varghest méridional. C'est plus que tous les écrits actuels réunis. Mais mon espoir, ma grande ambition, c'est d'observer le dragon Sire abyssal capturer sa proie. Un phénomène dont aucun érudit n'a encore été témoin. Nous parlerons une autre fois.
doit être ça.
Hey, Minus, ce serait envisageable que vous vous poussiez quand j'essaie de viser. Vous devriez peut-être vous mettre devant moi. J'aurai toujours une bonne vue sur les méchants à partir des genoux. Avoir une bonne raison de garder cette pierre. Les marques dessus... J'ai entendu parler de... Clés... Pierres qui portaient les mêmes. Continuez de chercher, il y en a peut-être d'autres. Si j'étais vous. Je dis ça, je dis rien.
entendre. Que ça, vous voulez dire ?
Rien à signaler, noble dame. Bien sûr, la théorie de Durant sur les pratiques du dragon sire est absurde. Mais... Oh. Oui ? Puis-je vous aider ? J'ai trouvé ce manuscrit sur les dragons dans un ancien laboratoire Tevinted. Pourrait-il vous aider ? Ces diagrammes sont remarquables. Et ça ? Serait-ce les ventricules du cœur draconique ? Oh, si seulement je comprenais cette écriture ! Connaîtriez-vous un linguiste à tout hasard ? Ou bien un expert en histoire Tevinted ? Je ne peux rien pour vous. On ne parle plus cette forme de Tevin depuis 700 ans. Hélas non, mais l'Inquisition saura peut-être. J'en parlerai à nos spécialistes. Nous parlerons une autre fois. Fait tellement pour nous. Je devrais aller l'aider. Vous croyez qu'il reste caché ? Ça, c'est juste de quoi m'occuper les mains. Je vous suis reconnaissant de m'avoir trouvé. Ce n'est pas que je n'aimais pas errer dans les bois, mais je préfère ça. C'est gratifiant de faire partie d'une entreprise aussi importante, d'apporter sa pierre. Ravi de vous entendre dire ça. J'ai l'air d'une sœur chantriste tout à coup, une petite novice écervelée. Mais peu importe, vous méritez ma loyauté et mon enthousiasme juvénile. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Quelqu'un m'a dit ça il y a longtemps. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Voilà une phrase pleine de sagesse. C'est un chevalier qui m'a dit ça. Un homme puissant et plein d'honneur. Un grand monsieur. Nous étions concurrents dans le grand tournoi. Ce sont les derniers mots qu'il a prononcés avant de partir. Il a mis de côté ses propres ambitions pour m'aider à remporter la mêlée. Je ne crois même pas l'avoir remercié. Parlez-moi de ce grand tournoi. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Le grand tournoi des marches libres ? Un sacré spectacle. Du chant, de la danse, du vin. Tous les divertissements possibles et imaginables. Mais la meilleure partie, c'est la joute. Faites vos preuves au grand tournoi et vous pourrez faire fortune. Comment vous a-t-il aidé ? Il y avait plus de 100 hommes sur le terrain. Chacun pour soi. Le chevalier et moi-même avons formé une alliance. Nous deux, contre tous les autres. Le but, défaire le maximum d'adversaires. À chaque fois, il me laissait donner le coup de grâce. Généreux de sa part. Il disait que j'avais tout à gagner. Et qu'il n'avait rien à perdre. Après cette victoire, il a proposé de me former. De m'apprendre à devenir un berruyer, comme lui. Et moi, aussi jeune qu'idiot, j'ai refusé. Je venais de remporter la mêlée du grand tournoi. Je n'avais pas besoin de lui. J'aurais dû partir avec lui. Les choses auraient peut-être été différentes. Vous êtes un garde maintenant. Il y a pire. Oui, vous avez raison.
Mais je suis plus vieux, et j'espère plus sage. Et je crois que j'ai choisi de suivre la bonne personne. Il paraît que vous avez fait une découverte à propos des gardes. J'aurais bien voulu être là. Je tenais à vous remercier. Vous avez des centaines de problèmes à gérer. Rien ne vous obligeait à prendre le temps de m'aider, mais vous l'avez fait. Si la piste que vous suivez profite aux gardes, alors ça en valait la peine. Vous avez montré que vous étiez une femme d'honneur. De principe, j'ai une grande admiration pour vous. Et je n'ai jamais été plus certain de ma décision de vous suivre. Je ne pensais pas que vous m'admiriez. Et pourtant, vous avez le monde à vos pieds, moi y compris. Je ne mérite pas ce genre de révérence. Modeste, en plus. La liste de vos qualités ne fait que s'allonger. Remettons-nous au travail avant que je m'enflamme. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Enfin un endroit pour les chevaux. J'avais complètement oublié les chevaux féreldiens. Il a dit que votre demande était insultante envers la richesse des traditions Kunari. Nous avons la faveur de la plupart des grandes familles. Nous saurons leur rappeler. Est-ce qu'il y a des dignitaires à surveiller en particulier? Vous apercevrez sans doute la comtesse Lutetia. Une femme adorable, mais à la conversation bien insolite. C'est la mécène des plus grands naturalistes d'Orlaïs. La comtesse se passionne particulièrement pour la collection des papillons. Ce n'est pas si insolite que ça. Elle sait expliquer avec force détail les méthodes de conservation, qui incluent de grandes quantités de produits chimiques et d'aiguilles. Venatori m'a mené jusqu'à l'inébranlable. Ils sont en train d'établir un plan d'attaque dans le centre de commandement. Merci d'être là. Tu as bien fait, Varro. L'inquisitrice. Voyons un peu ça. À votre service.
Bien sûr, la théorie de Durant sur les pratiques du dragon Sire est absurde. Mais... Oh. Oui ? Puis-je vous aider ? Nous avons traduit le manuscrit Tevinted. Des études sur les pratiques de chasse des dragons, leur migration. Ah, ils distinguent parfaitement la couleur bleue. Durant avait tort. Maintenant que nous sommes débarrassés de ces affreux écumeurs, nous pouvons enfin appâter le dragon Sire abyssal. À vous l'honneur, camarade. J'ai noté les emplacements exacts dans les steppes où vous devrez placer les appâts. Une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus qu'à attendre. Ce sera une avancée considérable dans la draconologie. Je vais placer l'appât pour le dragon Sire. Il me tarde d'entendre vos observations. N'oubliez pas de prendre en note sa façon de cerner son terrain de chasse. Nous parlerons une autre fois. Chef, je voulais juste vous dire, vous êtes la meilleure. Si on pouvait éviter de se faire dévorer, ça m'arrangerait.
théorie de Durant sur les pratiques du dragon Cyr est absurde. Mais... Oh. Oui ? Puis-je vous aider ? Le dragon Cyr m'a attaqué alors que je plaçais l'appât. Je crains qu'il ne soit mort. Elle a attaqué ? C'est merveilleux ! Et vous étiez aux premières loges ? Avez-vous pris note de sa posture agressive ? Je suppose que vous n'avez pas... Peu importe, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous sur le sujet. Mais... plus tard, bien sûr. Je pourrais rejoindre votre inquisition. Mon expertise vous serait utile, et vos éclaireurs pourraient m'aider à trouver d'autres spécimens. Avec plaisir. L'inquisition aurait bien besoin d'un draconologue. Excellent! Je suis certain que mes recherches vous seront d'une grande utilité.